C'est parti! Alors celui qu'on est venu voir aujourd'hui, c'est lui, le chamois. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, suite à des petits soucis de santé, hein, je me suis fait opérer du dos, tout ça, enfin bon, voilà, un peu compliqué ces derniers temps. Du coup là, c'est ma première vraie sortie montagne depuis plus d'un an. Et donc là, je suis dans le massif des Bauges. Et aujourd'hui, le but, ben, ça va être de photographier les chamois. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le chamois, c'est pas un animal qui vit exclusivement en montagne. Hein. On arrive à le trouver même en basse montagne, voire en plaine. Il y en a d'ailleurs vers chez moi, dans le Bugey. Il s'est retrouvé en montagne parce que, à force d'être chassé, ben, du coup, pour se protéger, il est monté en altitude. Donc du coup, maintenant, on arrive à le trouver plus facilement dans les massifs montagneux et souvent en moyenne altitude. Au-dessus, ça sera plutôt du bouquetin, parce que celui qu'on appelle le roi des Alpes. Alors, des fois, on peut faire la confusion bouquetin-chamois. Pourtant, c'est deux espèces vraiment différentes. Même au niveau comportement vis-à-vis de l'humain, c'est deux espèces qui se diffèrent par l'apport de l'être humain du chamois. Il est beaucoup plus craintif, beaucoup plus sauvage que le bouquetin. Donc aujourd'hui, direction le massif des Bauges. Et puis on va essayer de croiser du chamois, de faire quelques belles photos et puis de prendre l'air, de profiter du beau temps. Et puis voilà, de profiter de la montagne, tout en la respectant bien sûr. Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore un petit peu de neige dû au saupoudrage de la semaine passée. Bon là, il y a eu le redoux, ça a bien fondu, mais ça peut faire des ambiances sympas. J'espère que je vais faire quelques beaux clichés, quelques belles rencontres. Et puis, pour l'instant, je suis tout seul, donc c'est parfait. Personne, c'est ça l'avantage d'être en semaine. Puis ma foi, allez, on y va. Je vous emmène avec moi. C'est parti. C'est dur, ça se mérite la photo. La photo de nature, la photo de faune sauvage, ça se mérite. Le vent se lève, comme prévu. Ils annoncent des rafales à 40-45 km/h aujourd'hui. Ça va pas faciliter les choses, mais bon. Là, je me fais une petite pause parce que j'ai remarqué que le ballon était assez photogénique. J'aurais aimé plus de nuages et plus de couleurs, mais tant pis, je vais essayer de faire un cliché et puis je vous montre tout ça plus tard sur l'ordinateur. Alors là, j'arrive au pied du Péclose. Et vous les verrez pas, ils sont trop loin, mais il y a des chamois ici, là. Il y en a deux. Il y en a aussi de ce côté, là, caché derrière, là, ils sont là. Tout à l'heure, il y en avait un sur la crête. J'ai essayé de faire un cliché, mais le temps que je sorte l'appareil et puis que je le règle, il avait basculé un petit peu. Bon, alors je suis venu chercher du chamois, et ben une chose est sûre, c'est que je suis pas venu pour rien. Il y en a ici, là-bas, dans l'alpage, là. Il y en a un petit peu plus près, là. Je sais pas si vous allez voir, vers le Pierrier.
J'essaierai de faire un grossissement avec le logiciel, mais ça risque d'être un peu pourri. Donc là, par là, il y en a. Il y en a ici, là, qui sont en train de se faire dorer au soleil. Il y en avait pas mal derrière aussi, à l'ombre, là. Je vais essayer de faire quelques plans quand même avec le téléobjectif. Vu que j'ai pas le trépied, ça sera peut-être pas super, super stable, super net. Je m'en excuse d'avance, mais franchement, et puis alors, les paysages. J'ai fait une pause au milieu des chamois. Je suis tombé sur une harde qui était assez conciliante. J'ai pu m'approcher relativement près tout en gardant une distance quand même de sécurité. Ça reste des animaux sauvages, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les emmerder trop longtemps. Donc voilà, je m'approchais progressivement, je me suis fait plus ou moins accepter. Dès que je voyais qu'ils étaient un peu trop en alarme, quoi, j'arrêtais, je m'asseyais, j'attendais un moment. J'ai pu m'approcher comme ça tranquillement, faire quelques clichés. Après, moi, je suis pas un adepte du gros plan, donc faire des portraits, ça m'intéresse pas trop. Le but de la randonnée, c'était surtout de photographier le chamois. Bon, bah, c'est mission accomplie, hein. J'ai été servi. Alors, je sais pas si les photos casseront trois pattes à un canard, mais j'ai pris du plaisir à les faire et c'est déjà pas mal. Voilà quoi. J'espère que ce petit format vidéo différent d'habitude vous aura plu. Vous emmenez avec moi en rando. C'est la première fois que je prends ma caméra pour faire une rando. C'est compliqué de jongler entre photos et vidéos et puis d'essayer de retransmettre un peu ce que je vois, ce que je ressens sur le terrain. C'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu en deçà de mes espérances. Mais bon, quoi qu'il en soit, profitez de la nature. Amusez-vous, photographiez, baladez-vous, faites découvrir la nature à vos enfants, mais surtout respectez-la. Allez, à ciao!